Salut les crapulos, comment ils vont aujourd'hui en ce dimanche? Ça va? Bah moi écoutez, ça va. Hein. Je m'écoute un peu de musique au frais, parce qu'il fait carrément chaud de chez chaud. Et alors comme il fait chaud, vous voyez, j'ai fait une installation soft. J'ai enlevé mes gros blocs qui chauffaient beaucoup. Je les mettrai cet hiver. Et là j'ai mis des petits appareils bien sympathiques. Alors j'avais fait écouter ça sous une couverture, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur une vidéo au magasin. Alors je vous présente un produit exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Donc c'est Metaxas. Metaxas avec l'ampli Iraklis. Le préampli Marquis 2. Et son alimentation, c'est pareil. Donc je suis sur un Bosun, alors je m'en sers pas comme DAC, hein, je m'en sers juste comme streamer. Et là j'ai deux DAC Parasound, c'est des DAC, des vieux DAC hein, des années 95 avec des puces ultra analogues, mais ça je vous en dirai un peu plus parce que j'ai beaucoup appris sur des puces, des anciennes puces pour des DAC et je peux vous dire franchement. Alors là, j'en ai deux parce que ils sont un peu différents, donc je fais des écoutes d'essai. Je vais avoir d'autres marques en ultra analogue et je peux vous dire que vous pouvez vous accrocher avec tout ce qui existe aujourd'hui. Alors j'ai un peu de prétention à dire ça, mais j'ai envie de l'avoir parce que franchement, c'est un autre monde. Là, la musique, la voix, les instruments, tout prend leur sens avec ces DAC qui ont été construits avec cette puce. C'est juste exceptionnel, donc je vais avoir d'autres marques. Je vous ferai des essais et il y en aura à vendre, mais il n'y en aura pas beaucoup parce que c'est des DAC très très rares et qui sont très compliqués à avoir. Voilà. Donc, que dire de cet ensemble Metaxas? Alors, peu de gens connaissent, hein, sauf que y a des initiés quand même qui connaissent. Hein. C'est juste extraordinaire. Je pense que c'est l'ampli qui m'a le plus surpris et je pense que je vais garder vraiment un très très bon moment parce que c'est juste extraordinaire. C'est une bombe nucléaire. C'est hallucinant. Alors il fait que 50 watts, mais il fait 25 kilos le truc. Un transfo Comac. Et bon, il a été tout révisé par Good Vibration. Le seul gros problème de ces amplis, c'est que c'est des amplis qui sont relativement fragiles. Donc voilà, il faut savoir que si vous avez, ça demande de l'entretien, il faut que ça soit en super état, les courants de repos, vérifier régulièrement, pas les éteindre dans le mauvais sens, enfin voilà, c'est un peu délicat, mais putain, qu'est-ce que ça marche. Mais qu'est-ce que ça marche comme truc. C'est juste de la folie. C'est d'une rapidité, ça tient les bases, d'une précision. Tout est extraordinaire sur cet ampli. C'est franchement démoniaque. J'ai jamais entendu un truc aussi rapide, aussi précis. Tout est détaillé, les basses, il te les tient, mon pauvre D38, mais hallucinant, hallucinant. Alors il y a d'autres modèles. D'ailleurs, j'ai un autre modèle qui est un peu différent. Et puis il y a un plus gros modèle que je vais chercher, bien évidemment, bien évidemment. Voilà, donc allez, je vais vous mettre un peu de musique, la vidéo va durer un petit peu longtemps, je vais vous mettre deux ou trois morceaux, et là je suis sur un bouquin de Philippe Manœuvre, Flashback Acid, donc j'ai commencé, je suis à la 50e page, je vous le conseille, il est bien sympa, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Philippe Manœuvre, renseignez-vous, c'est un rocker, enfin, pas lui le rocker, mais il a fait des émissions de rock toute sa vie, et c'est un bon bonhomme. Allez, je vais vous mettre un morceau que j'aime bien particulièrement. Alors je vous le dis, écoutez au casque. Quand faites vraiment l'effort de mettre un casque, même si c'est un casque d'iPhone, parce que vraiment ça prend une autre dimension que d'écouter sur le simple portable. Allez, c'est parti les enfants. Un bon petit morceau là que j'adore. Concentrez-vous. Concentrez-vous sur les voix, vous allez voir.
see her come down through the clouds. I feel like a fool. I ain't got nothing left to give. Nothing. J'ai des frissons, mais grave, grave, grave. Alors, j'ai pas ma perche, donc du coup, je tiens mon téléphone comme ça à la main. J'espère que j'ai pas mis trop fort. Oh putain, les frissons. Oh la vache. Je sais pas si vous le percevez, la profondeur de la voix. Mais là, l'ensemble, j'adore quoi. Mais c'est la puce ultra analogue, elle transforme votre installation. C'est un truc complètement hallucinant quoi. T'écoutes ça, mais t'as plus jamais envie d'écouter rien. Un autre DAC avec la puce sabre, la puce puce, la puce tic, la puce nerf, la puce... écoute ça, mon Dieu. Yeah.
affreux. Ça me... Quand je dis ça me saoule, c'est pas que ça me saoule dans ma tête, c'est que ça me rend fou. Quand je dis que ça me saoule, c'est comme si je prenais une dose de je sais pas quoi, de 15 whisky quand j'écoute ça. Ça m'envoûte. Ça me rend fou. Je vous jure, ça me rend fou. Et je vous mets un dernier petit morceau. Ah non, trop bien. Deux secondes. I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. J'arrête parce que la vidéo va être trop longue. Bon, pour moi, il n'y a pas de système ultime. Il y a toujours mieux. Mais putain, là, je suis aux anges. Vraiment, ça marche super bien, quoi. Pourtant, j'en écoute des trucs. Hein. J'en ai écouté toute ma vie, mais là... Là, c'est bon. Là, ça m'a saoulé. Quand je dis que ça m'a saoulé, je me répète. Hein. Ça m'a mis la tête à l'envers. Là, j'aime même pas tenir mon téléphone tellement j'avais des frissons. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser hein, parce que sinon la vidéo elle va durer trop longtemps et ça fait un moment qu'on s'était pas, je vous avais pas fait une petite vidéo et je vous en avais promis une chez moi. Et je tiens à remercier tous les gens qui me donnent des conseils sur l'IFI, qui me contactent. Ça me permet de beaucoup apprendre et puis je remercie aussi une personne qui m'a contacté via ma chaîne YouTube qui restait anonyme, donc je respecte son anonymat et qui m'a donné plein de conseils et des adresses justement pour ces fameux DAC ultra analogues dont je vous en parlerai à partir de septembre parce que j'en aurai d'autres. Ils sont tous ceux que je vais avoir, j'ai plusieurs marques. Ils sont quasiment déjà tous réservés avant que je les ai en ma possession, mais je ne vais pas vous les transmettre comme ça tout de suite. Déjà, c'est des DAC très très rares, très compliqués à avoir. Et puis, il faut que je puisse en profiter un peu, faire des comparaisons pour pouvoir vous expliquer un peu tout ça. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche sur Radio Moumoute, la radio que tout le monde écoute, j'espère toujours. À très vite. Les amis, à bientôt.